Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de quelques vinyles. Et là, je les ai achetés à Cash Convertisseur. Bon. Voilà. Donc, il y a des disques, celui-ci de Rose Lawrence, Africa, hein, son single d'Africa. Vous voyez, c'est bien son titre, hein. Africa. Et bien sûr, son deuxième titre, Le Cœur Chagrin. Le Cœur Chagrin. D'accord? Bon, voilà le prix, 19 centimes d'euros. Donc, c'est bien. En plus, c'est propre. Hein, vous le certifiez, je l'ai mis tout à l'heure sur la platine. Aujourd'hui, en même temps, j'ai fait une petite découverte. Une petite découverte. Voici un méga mix. J'ai bien dit un méga mix de Claude François. Hein, une vraie, vraie découverte. Hein, Forever. Donc, remixé avec tous les grands titres de Claude François en remixage. En remix, pardon, pas en remixage, n'importe quoi. En remix. Et là, franchement, là, je pourrais rien dire. Et celui-ci, son prix est de 49 centimes, qui veut dire pas loin de 50 centimes. D'accord? Celui-ci, alors, celui-ci, bon, bah, c'est une petite découverte, hein, une petite découverte, trois titres, maxi 33 tours. Ah, je vous ai oublié, pour celui-ci, ça maxi 45 tours. Hein, hop! Maxi 43 tours. Celui-ci, c'est un maxi 33 tours. Et toi, l'ordinateur, tu arrêtes de t'éteindre. Voilà, c'est un maxi 33 tours, pardon. Disco, 12 hits, hein, soi-disant 12 titres. Remixé, hein, 12 disco mix. Donc voilà, disco mix. Alors, on me dit ce que vous pensez aussi. Alors, j'espère que quand j'aurai ma deuxième platine, ça va faire un sacré boulot parce que je vais essayer de l'étudier, de voir ce que ça donne. Bien sûr, avec les autres platines que j'aurai aussi, hein, ça va être formidable. Quand même, hein, 1 euro, ça fait 1,17 centimes les deux, les trois vinyles. Vous voyez, 1,17 centimes. Ce que j'achetais à la Fnac, c'était un peu plus récent. Là, c'est un peu vieux. Bon, c'est pas grave. Je recherche un peu du nouveau comme l'ancien, mais la majorité c'est du nouveau, mais comme ça fait, c'est des disques que je recherche à la base anciennes, remixés, des anciens morceaux remixés, c'est ce que je recherche. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Et donc voilà. Pour le reste des platines, bah, il y aura de la nouveauté. Je vais les présenter. Fur et à mesure, hein, chaque platine, je vais vous faire montrer comment ça fonctionne, ceci, cela. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, vers la fin de ce mois-ci-là, si tout va bien, je commande mes deux platines CDJ 350 et ma platine Stunton ST 150, qui était imprévue. Donc pourquoi je dis imprévue? Car la platine qu'on m'a proposée, c'est un bras S. Donc moi, le bras S, c'est pas trop mon truc. Je préfère le bras standard, celui qu'on connaît bien. Donc ce n'est pas grave. Donc s'il y a un DJ qui tombe sur cette vidéo, qui m'explique, hein, que s'il travaille avec ça, mais la majorité des DJ que j'ai visionnés travaillent beaucoup avec du CD, hein, et quelques-uns qui travaillent avec de la carte mémoire. Voilà. Donc ceux-là qui sont sur le vinyle, bah, qui peuvent me laisser un petit message, très sympathique. Je vous remercie beaucoup et surtout bonne vidéo. À la prochaine vidéo. Au revoir et surtout bonne continuation. Et surtout à tout le monde, bon week-end.